Bonjour tout le monde. Allez, on continue dans la série de Noël avec une autre carte. Cette fois-ci, je vais reprendre mon matériel et c'est avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, parce que bon, ça va bien 5 minutes de faire des cartes avec très très peu de matériel. Mais j'avais quand même vraiment très très envie de me servir de ce que j'ai. De ce que j'ai pu acquérir justement. Donc comme je disais dans ma précédente vidéo, voilà. On s'inquiète pas, ça vient avec le temps, on est toutes passées par là, hein, on a commencé avec peu de choses. Par contre, ce qui est bien justement quand il y a des occasions comme Noël ou des anniversaires ou autres, c'est de chercher un petit peu dans ce qu'on a. Et donc moi j'ai retrouvé ces dice qu'on m'avait donnés. Je savais pas trop quoi en faire en fait. Hein. Je me suis dit, mais attends, c'est idiot, si je découpe dans du papier vert en fait, je vais pouvoir en tirer quelque chose. Et vous allez voir ce que je vais faire avec tout ça. De toute façon, vous avez un petit peu triché, hein, puisque vous avez sur YouTube ou sur Google Plus ou ailleurs la photo de ma carte terminée. Mais enfin bon, voilà. J'ai eu l'idée en fait de me servir de ces découpes pour faire une couronne de Noël tout simplement. Donc une carte avec une couronne de Noël, comme c'est traditionnellement ce qu'on voit un petit peu sur les vidéos des Américaines. Donc nous en France, bon oui, on voit quelques couronnes de Noël sur les portes, mais. Enfin, moi de mémoire, je ne me rappelle pas en avoir croisé plus que ça, mais c'est dommage parce que c'est très joli. Voilà, donc tout simplement, bien en fait, je vais prendre de la colle en bâton. Donc d'ailleurs, c'est une erreur, il faut pas faire comme moi, parce que cette colle-là ne sèche pas transparent, si vous voulez. Donc elle laisse une espèce de pellicule qui est un petit peu glossy, qui reflète à la lumière, et c'est pas super cool. Donc moi, j'ai fait ça pour me faciliter la tâche, et en fait, pour éviter d'avoir à coller chaque petite partie. Donc j'aurais dû un petit peu plus me casser le bonnet si vous voulez et effectivement prendre par exemple mon stylo colle et coller chaque petit bout l'un derrière l'autre comme je suis en train de le faire avec ma colle pour justement ne pas avoir ces résidus de colle qui brillent en fait quand on tourne un petit peu la carte et ça fait pas un fini très très enfin c'est pas formidable quoi. Vous me connaissez, moi j'aime bien faire les finitions un petit peu comme il faut et donc là bon, de toute façon cette carte je pense que je la referai et que cette fois-ci je ferai ça correctement. J'ai positionné tous mes petites découpes. Hein, donc j'en ai superposé deux ou trois épaisseurs comme ça. Voilà, ça donne bien de la substance à ma couronne de Noël. Et donc comme tout le monde, j'ai mon petit bow maker, hein, mon petit bout de carton en fait hein, pour faire mes nœuds. Mais au final, je me rends compte que j'y arrive très bien à la main en fait. Hein, enfin très bien. Disons que ça me convient. Voilà. Donc là, j'avais pas envie de le sortir, et puis bon, je l'avais sous la main, pour être honnête, il était juste à côté. Mais j'ai dit, je vais essayer de le faire moi-même, et puis au final, j'aime bien le rendu, donc je me dis, bah tiens, tant qu'à faire, voilà, du temps un petit peu de gagner. Donc ensuite, j'ai sorti quelques petites scrapbidules que ma petite nana scrapeuse en herbe m'avait envoyées très gentiment pour mon anniversaire. J'ai fait des petites découpes aussi de ronds en rouge et en blanc, voilà. Alors, je suis désolée pour la luminosité qui est complètement à chier, hein, n'ayant pas peur des mots. En fait, j'ai cassé ma lampe principale. Là, je suis avec une lampe. C'est quoi ça? C'est une lampe de chevet. Hein, ça n'éclaire pas bien plus. Donc, je suis désolée. Je peux même pas monter ce que je suis en train de faire vers la caméra pour vous montrer de plus près. Je suis obligée de zoomer à chaque fois. Bon, on va faire avec ça parce que pour l'instant, j'ai pas franchement les moyens de me racheter une lampe. Voilà, et c'est bien dommage. Donc on va faire avec ce qu'on a. Alors ces petites découpes étoiles, c'est des chutes d'un die que j'ai, une espèce de petite bannière avec des étoiles qui est très très beau d'ailleurs. Et donc chaque fois que je m'en sers, eh bien je garde les chutes. Regardez, on peut vraiment se servir de pas mal de choses. Hein. Donc il ne faut rien jeter ou pas grand chose, hein, on scrape. Bon après il faut pas faire non plus du scrap récup, hein. Je trouve que ça fait vraiment pitié moi. Quand on fait vraiment des choses un petit peu trop, je suis allée chercher mon matériel dans les ordures, non. Non, n'exagérez pas quand même, ne dévalorisez quand même pas votre travail à ce point. Enfin, c'est mon point de vue. Après, chacun a le sien, hein, ça n'engage que moi ce que je dis. Voilà, donc moi, je me vois quand même pas offrir des choses à des gens avec trop de matériel de récup. Excusez-moi. Je trouve quand même que ça fait un petit peu genre, je me fous de ta gueule, quoi. Je t'offre des choses. Voilà. Il faut bien sûr de la récup, j'ai pas dit le contraire, hein, on va pas jeter ce qu'on a. Par contre.
Il faut y tourner, si vous voulez, de façon à le rendre un petit peu noble, si vous voulez. Donc que ce soit des chutes de papier, que ce soit de la récupération de boîtes ou de choses comme ça, voilà, il faut quand même faire des efforts parce que voilà, je trouve que sinon, le travail et le temps qu'on a mis dans ce qu'on a fait, ça perd beaucoup en intensité et ça, c'est franchement dommage, quoi. Donc, rappelez-vous des colliers de nouilles que vous offriez à vos mamans pour la fête des mères. Donc vous aviez l'impression que c'était le plus beau cadeau du monde, et puis ben avec le recul, vous dites que oh, ben non, finalement, voilà. Ben là, c'est un petit peu le même cas. Essayez d'avoir un regard un petit peu extérieur sur votre travail. Voilà, donc là, c'est ce que donne la couronne parce que entre-temps, j'ai collé mes scraps bidules sur ma couronne. Donc, je voulais pas quelque chose de trop chargé, hein, je voulais pas qu'elle soit trop vide non plus, mais je voulais pas mettre énormément de choses. Donc, je me suis arrêtée un petit peu à ces petits ronds blancs, rouges, avec des petites fleurs rouges également, en strass, et les étoiles de studio Calico. D'ailleurs, il faut que je m'arrête parce que je les mets partout, il faut vraiment faut que je me calme un petit peu, je suis à fond sur les étoiles. Donc là, du coup, j'ai coupé l'excédent du petit nœud que j'ai fait avec le tissu rouge que ma petite Christelle Décoration m'avait envoyé. Et donc je suis en train de le fixer avec mon glossy accent, puisque de toute façon tout le reste n'a jamais voulu adhérer avec autre chose que du glossy accent, donc, je m'en suis bien servi, ça m'a bien rendu service de l'avoir à portée de main. Donc là je vais mettre mon sentiment sur ma carte, hein, puisqu'on est dans les fêtes de Noël. Donc cette fois-ci je vais mettre un meilleur vœu parce que j'ai fait quelques cartes avec des bonnes fêtes, avec Joyeux Noël, etc. Donc là je vais changer et je vais le tamponner avec ma Versafine, donc la couleur Smoky Gray. Et donc pour vous dire la vérité, c'est une encre que j'ai depuis au moins 2 ans. Et c'est franchement la deuxième fois que je m'en sers. Et alors tout le monde en a plein la bouche avec la Versafine, ouais, les détails, machin et tout. Alors je sais pas si ça vient de mon tampon, faudrait que j'essaye sur autre chose. Mais moi je trouve pas que le résultat au final soit vraiment à casser des briques, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'est bien, mais c'est voilà, peut mieux faire quoi. Donc bon, écoutez, hein, je l'ai tamponné comme ça sur ma carte, ça ira bien, mais va falloir que j'améliore tout ça. Voilà. Donc là, je vais me servir de nouveau de ce petit bloc Cultura qu'on m'a envoyé également pour mon anniversaire. Merci les filles. Des millions de bisous, encore merci. Voilà. Et donc, je vais me servir justement de ce papier rouge avec des flocons blancs pour mater le petit bout de carte que j'ai fait. Donc là, je vais le positionner tout simplement sur un fond de papier blanc. Hein, c'est du papier Bristol, voilà. Donc, je vérifie que je l'ai collé comme il faut parce que combien de fois ça m'est arrivé de le coller à l'envers? Je vous le dis même pas. Donc, mais bon, ça reste entre nous. Hein, vous le dites à personne. Donc, voilà, là, il se trouve que j'ai eu de la chance. Je l'ai collé correctement. Voilà. Et donc, j'essaie de positionner le petit devant de ma carte. Alors je savais pas trop si j'allais laisser un petit interstice si vous voulez, ou alors si j'allais le coller directement tout en haut de ma carte. Et puis non, finalement je vais laisser une petite bande tout le tour. Je trouve que ça la met un petit peu plus en valeur. Et pour ceci, donc en plus, je l'ai monté sur de la mousse adhésive 3D. Donc là, je vérifie rapidement que je suis bien. Je suis à peu près centrée, puisqu'avec mon massicot qui coupe droit comme il y voit, c'est pas peu dire. Donc c'est pas toujours facile. Donc là, j'allais pas laisser les ronds blancs évidemment. Hein, donc j'ai collé des stickles de Ranger, voilà. Et donc j'ai voulu essayer de me servir de celles-ci qui sont des fausses stickles de Ranger. C'est pas de Ranger du tout d'ailleurs, c'est des trucs que j'ai achetés à la foire fouille ou dans une solderie. Et c'est la merde, si vous voulez. Ça avait tout collé. Enfin bon, j'ai dû y aller au cutter, tout va bien. Donc voilà. Et là, donc je vais améliorer. Je m'en suis sortie quand même, rassurez-vous, avec mes paillettes rouges. Et donc là, je vais prendre mon Sakura, mon stylo gel blanc. Transparent, pardon, Sakura. Et donc je vais repasser sur mon texte pour lui donner un tout petit peu plus d'intérêt quand même, parce que je le trouvais très très fade. Donc là ça brille, hein, c'est vachement mieux. C'est tout ce qu'il faut, hein, pour les fêtes de Noël, de toute façon, avoir une carte qui brille un petit peu dans tous les sens. Donc voilà à peu près ce que ça va donner. On est quasi à la fin de ma carte. Et puis là, je trouvais qu'il manquait un petit peu de strass. Je voulais mettre des strass sur cette carte. Et donc, je cherchais un petit peu où est-ce que j'allais les mettre. Et donc, je me suis dit que j'allais les mettre aux quatre coins, en fait, du papier blanc de ma carte. Voilà, pour mettre encore plus en valeur tout ça. Voilà, donc c'était ma 6 ou 7e carte, hein, je me rappelle plus, je crois que c'est la numéro 7, celle-ci. Voilà, ma carte de fin d'année. Donc encore une fois, bien j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'est une carte assez simple à faire, hein,
on peut la faire et la refaire et la refaire encore. Il faut pas énormément de matériel, pas énormément de temps non plus. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut, hein, parce qu'on court dans tous les sens, hein, dans ces périodes de l'année. Le compte à rebours a déjà commencé. On est le 15, enfin vous verrez ma vidéo sûrement le 16. Donc il reste très peu de jours. Hein, donc allez, on tabasse, hein, on s'endort pas sur ses lauriers. On fait ses petites cartes et ses petits cadeaux. Donc eh bien moi aussi je vais m'y mettre. Hein, donc eh bien en attendant, je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye!